Du nouveau dans le conflit à Bemao qui oppose les agents municipaux à la mairie depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, les deux parties ont signé un principe d'accord pour un accompagnement en médiation. Des discussions sont en cours depuis ce matin dans les locaux de Cap Excellence. Parmi les points abordés, celui de la revalorisation du régime indemnitaire des agents, mesure phare et clivante depuis le début du mouvement. Alors, est-ce les prémices d'une prochaine réconciliation? Selon l'UTC-UGTG, on en est encore loin. Nous sommes loin de la reprise de dialogue. Nous sommes justement au moment où nous avons parlé là. Nous avons rendez-vous jeudi là à 11h30, midi, 20 médiateurs là. Nous avons parlé de prêts là et c'est tout. Mais après, ça ne veut pas dire que le conflit est fini. Mais de toute façon, quel que soit ça, nous avons rendez-vous, nous avons premier bidon nous avons fait. Nous avons mobilisé les travailleurs pour ne pas démobiliser, dire que le combat là va continuer. Donc nous avons parlé avec les médiateurs. Nous avons essayé de voir si nous pouvons tomber d'accord. Mais si nous ne pouvons pas tomber d'accord, ça veut dire que la mobilisation va continuer. Et certainement lundi qui est encore pire. Bien que les deux parties aient repris le dialogue, ils sont encore loin d'avoir trouvé un terrain d'entente.